C'est quand ? Thank you.
Kato. Ça passera. Tout n'est que désolation. Un sort approprié. Astrid. Non. Esprit. Freya, vous êtes revenue ? Astrid, que t'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé à ton jardin ? Les Emeriards. L'œuvre de ma vie, anéantie. Voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée, ma reine. Tu ne me dois aucune excuse, ma vieille amie. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Pourquoi ? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme le sera aussi. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin d'Astrid. Le cimier de la famille de Hœnir. Pauvre homme. Vois-tu s'il y a un moyen d'entrer depuis ta position ? Qu'as-tu appris, mon frère ? Oof!
Tu vois ces explosifs? Les déclencher pourraient nous aider. Peut-être pourrais-tu la voir depuis un autre angle.
renaît dans le jardin. Tant mieux. Le jardin souffre toujours. Il doit rester du poison quelque part. C'est terminé. Retournons auprès d'Astrid. La Terre, elle vit à nouveau. Je le sens. Oui, ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous ? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que temporaire. Le jardin mourra à nouveau. Toutes les choses meurent un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. Hélas, je doute que cette relique puisse le réveiller. Hein ? Content de voir que ça fonctionne toujours. Pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. C'est du bel ouvrage. Pourquoi la laisser ? Tu te méfies d'elle, mon frère ? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Hein, peut-être.
Mon âme ne peut se voir accorder le repos tant qu'eux ne l'auront pas trouvé. Qu'y a-t-il ? Je suis morte. Et vous allez m'aider. Bien sûr, Gunhild. Mais que pouvons-nous faire ? Lorsque les Eneriar ont attaqué, il nous fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie Celse. Vous étiez désespéré, je le comprends, mais c'était stupide. Assurément. J'ai été tué avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie Seis serait terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyr. Offrons-leur le repos éternel. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues, n'est-ce pas ? Rendez-leur la liberté en les tuant. Encore une vieille pièce d'armure de Lunda. Tu posséderas bientôt l'ensemble complet. Il y a certainement des séistres plus loin. Nous devrons trouver un autre chemin. Les supports du pont ont l'air plus solides. Il nous faut trouver un moyen de traverser pour l'abaisser.
Tu as bien fait d'étudier les runes. Hé, mais c'est des bouts de mon armure. Je la remettrai à neuf pour toi. Mais avant, j'aimerais que tu retrouves mon orbe. Je t'ai dégoté de nouvelles formules. Merci de l'avoir ramassé. Oui, c'est ouvert. Eh ben, quand tu veux. M'évitera d'aller en chercher. Alors, tu as fait ton choix. Il était temps que je m'occupe. Tu sais ce que tu veux? On taille la route ou bien le bout de gras ? Ah, c'est bon.
Alors, ça vient, cette orbe ? Les chutes d'eau, c'est là. Il devrait y avoir une porte devant nous. Une sacrée porte. Connaîtrais-tu un moyen de passer ? La porte des pèlerins. Je peux l'ouvrir. Il nous faut juste trouver le bon point de vue. Ton frère en est-il arrivé à se faire brûler par les As ? Eh bien, Freya s'était persuadé qu'il pourrait améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Des techniques Van pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple tout entier. Pour le remercier, ils lui ont mis le feu. C'est vrai. Les As étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des Van. Quand les choses ont mal tourné, ils s'en sont pris à leur maître. Alors Freyr était un hôte, quand Odin l'a brûlé. Pas exactement. Cela ne gênait pas Odin d'enfermer Freyr. Il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des As de rang inférieur, amers, irréfléchis, qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable. Il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Son insouciance passée a fait place aux cauchemars, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Je me demande comment grimper là-haut. On ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Je vous en prie, mettez fin à leur souffrance.
Malgré ce qu'il a fait à Midgard, Atreus tient toujours à toi. Je sais. Moi aussi, j'ai élevé un fils. C'est peut-être difficile à croire, mais il ressemblait à Atreus au même âge. Il adorait son père. Il cherchait toujours à s'en montrer digne. Et il était constamment frustré de voir que, quoi qu'il fasse, il n'obtenait pas son approbation. Il se confiait souvent à moi pour trouver le réconfort que son père lui refusait. Peut-être que ton fils devrait en faire autant. Il s'est rapproché de l'autre nain, le frère du Nabot Bleu. Oh, mais si Sindri s'occupe de lui, alors je n'ai plus rien à faire dans sa vie, je suppose. Ce n'était pas mon propos. C'était sarcastique. Freya, il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille? Qui? Rimtur, le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard. Ah oui. Une fois de plus, Odin avait cru bon de m'impliquer dans un pari sans se préoccuper de mon consentement. Si encore il s'était agi du pire de ses travers. Quel pari? Je te l'ai raconté, cette histoire. J'aimerais entendre sa version. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Au début, je n'étais même pas au courant. Odin ne devait pas s'attendre à perdre le pari. Un mystérieux bâtisseur disposait de 3 saisons pour ériger le mur tout entier. Deux saisons. En cas de retard, il ne recevrait aucun paiement. Mais s'il réussissait, une audience avec la reine lui était promise. C'est du moins ce que j'ai appris lorsqu'un matin, fulminant et à moitié ivre, Odin est venu m'ordonner de m'habiller et d'aller voir ce que voulait ce bâtisseur. Alors j'y suis allée, totalement ignorante de tout ce qui avait été promis. Une dague dissimulée dans ma robe, en cas d'urgence. Et ce bâtisseur, ce géant déguisé... Il s'appelait Rimtur. ...m'a simplement souri, et comme tu l'as dit, chuchoté à l'oreille. Les As avaient tué son père. Et il avait besoin de savoir qu'un jour, il brûlerait pour cela. Je lui ai fait remarquer que, techniquement, j'étais moi-même devenue une naze. Il m'a adressé un bref regard sceptique avant de poursuivre. Il m'a dit avoir laissé une faille dans la structure du mur, derrière la tour du royaume d'Asgard. Je le savais! Comment peut-on l'exploiter? On ne peut pas. D'après lui, seul Surt saurait quoi en faire. Et si Surt est en route vers le mur... Alors le Ragnarok est en marche. Oh, misère. J'espérais qu'il nous aurait donné une autre option. Demander quel effet ça faisait de perdre sa tête. Que veux-tu que je te dise? Que ça picote? Simple curiosité. Si tu souhaites tirer une quelconque satisfaction de ma souffrance, je crains que tu ne sois déçu. Kratos a frappé fort et juste, pas vrai mon frère? Je n'ai presque rien senti. Dommage.
Tant qu'il entre en ce royaume, je le hanterai aussi. Alors, quel effet cela fait-il d'être de retour ? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois ? Megan.
mariage devrait être accessible. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues, n'est-ce pas? Rendez-leur la liberté en les tuant. Nous approchons, plus je sens ma poitrine se nouer. Tu es sûr de vouloir continuer? Affronter le passé a toujours appris. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre, mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant, j'ai cru naïvement que la paix durerait. C'est peut-être là mon erreur. Ce que je voulais, c'était protéger les miens. Il n'y a pas de honte à cela. Non. Mais j'ai échoué. Ces marques, elles indiquent la présence de ces Isra. L'orbe de Munda. Attention, nous ne connaissons pas ses pouvoirs. Crois-tu vraiment qu'elle nous aurait envoyé le chercher s'il pouvait nous tuer? Contentons-nous de le lui rapporter. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Thank you.
Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Marc Seisre. Les amis de Gunhild ne doivent plus être loin.